à tous et à toutes. On continue la partie de Medieval Engineer. Quatrième partie, et pour l'instant, comme j'avais dit sur la fin de la dernière vidéo, je vais faire finir ma maison qui était. Je vais arriver à ma pause. Qui est ici, tout simplement, et qui est presque fini. Je suis en train de faire la fin du toit. J'aurais pu faire un toit plat, mais je vais faire un deuxième toit, je vais voir comment ça donne. Et puis, si ça me plaît, je vais continuer. J'avais demandé aussi. Je vous avais demandé aussi. De noter la maison. Je vous refais ça puisque je ne sais pas si tout le monde a regardé jusqu'à la fin. Donc pour l'instant, je vous la refais. Je vous la remontre pour ceux qui n'ont pas vu. Je vous la montre pour ceux qui n'ont pas vu et je vous la remontre pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc voilà, je voulais vous savoir. Voilà, je voulais vous demander une note de 1 à 10 pour me noter en commentaire. La maison, comment vous la trouvez pour ma première maison que j'ai faite dans le jeu. Donc voilà, c'est ma première maison. J'espère que c'est pas trop mal. En tout cas, moi, en tout cas, me plaît pour une première maison. Donc voilà, tout simplement. Là, je vais finir après. Dès que j'ai fini ma maison, comme vous voyez, j'ai une palissade ici. Je compte la continuer assez grandement. Je sais pas si je vais faire beaucoup puisque récemment j'ai été souvent attaqué par les vilains bonhommes, là, les vilains barbaries, là, qui sont venus m'attaquer. Donc bon, pour l'instant, mon projet c'est de finir ma maison, les barrières jusqu'au maximum que je peux, et puis après faire ma mine. Donc j'espère que ma barrière je pourrai la faire assez grande pour englober, en fait, après je ferai une porte évidemment, mais je engloberai la mine, ma maison, comme j'ai déjà commencé ici, tac. Et puis je la terminerai devant, comme mon devant de maison est ici, même si le chemin est là, c'est pas grave. Et tout simplement. Et j'espère que ceux qui ont ce jeu et qui ont envie de me rejoindre dans la partie, n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez envie, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez rejoindre la partie. Moi, je vous ferai un plaisir de venir dans la partie. Elle est en public, donc voilà. Tout simplement. Bon voilà, on va continuer la partie tout simplement, tranquillement, et puis voilà, allez. Donc pour l'instant, j'étais en train de faire mon toit. Donc l'intérieur est pas trop mal. J'avais trouvé une solution pour monter tout en haut. Je vais vous poser la question, comment j'ai fait pour aller tout en haut. Et bien tout simplement, j'ai fait des échelles. Je me suis créé mon échelle à moi, avec les coffres en bois. Tout simplement, tac, je me suis... une échelle, j'espère pouvoir m'en continuer. Allez, pourquoi il veut pas? Donc j'ai galéré un peu à faire mon échelle, mais je l'ai faite quand même. Voilà, toi tu montes. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut monter dans ce jeu, on peut monter sur tout. Voilà, c'est parce que ça. Voilà, non, allez, mon petit. Bon, c'est pas grave. Je vais me mettre sur le truc, je vais voir si ça marche. Non, je vais monter sur mon échelle, plus simple. On peut monter sur tout, donc c'est marrant. Sauf que c'est pas la solution. Donc, comme ça, en fait, comme je gêne, ça m'en... je peux pas faire le bâtiment. Donc voilà, j'avais déjà fait cette solution. Oh, bah, tiens, c'est parfait ça aussi comme solution. Hop là, magnifique. Hop, voilà. Comme ça, je peux faire mon toit tranquillement. J'enlève ça, j'ai pas besoin. Hop, je galère. On dirait que je suis en train de jouer à Mario là. Mario. Donc voilà, ne tombe pas non plus. Donc voilà. Donc vous voyez à peu près comment je fais la construction de mon toit. J'ai fait les coins d'abord. Je réexplique pour ceux qui sont pas là, ceux qui n'étaient pas là dans les prochaines vidéos. Je fais les coins d'abord. Et puis après, je colle mon curseur sur l'arête du coin, en fait. Et en fait, ça me permet de faire la suite, en fait. Tout simplement, il voit comme quoi c'est une suite. Donc, voilà. Pour faire les coins comme j'ai fait, alors vous avez, comme vous voyez sur le numéro 5, je ne pourrais pas vous montrer. Non, je ne pourrais pas vous montrer. Sur le 5, il y a un plus.
là où il y a mon toit. Et en fait, ça veut dire que vous pouvez faire différents toits, en fait, tout simplement. Avec le 1, c'est pareil, je pense. Voilà. Ce que j'avais pas, c'est que je pouvais faire les portes. Je ferai ça plus tard, évidemment. Je vous montre. Alors, pour l'instant, je vais faire mon toit normal, pas inversé. Hop. Donc, toit normal, j'ai vraiment galéré. Je suis tombé. Mais en plus, j'ai faim. Comment vous dire que c'est pas évident de jouer avec une faim permanente presque. J'ai presque tout le temps envie de manger dans le jeu. C'est horrible. Bon, bref, on va finir ce toit vite fait. Et après on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Regarde, si vous voulez savoir comment j'ai commencé mon toit jusqu'en haut, regardez ma dernière vidéo. Simplement vers la fin de la vidéo, je montre comment j'ai fait. Non, je fais que tourner là, mais oh, c'est pas possible. Je montre comment je fais la fin du toit. En fait, je montre tout simplement comment j'ai fait la deuxième partie du toit. Tout simplement, pour l'instant, ça va être plus dur après ici, puisqu'il faut que je construise. Il faut que je fasse encore un coffre, j'en ai pas d'autre. Comment vous dire qu'il faut que j'aille chercher du bois, hein. Donc le bois, ça se cueille en coupant à la hache. Et ce n'est pas piquer des pirouettes. Allez hop. Donc on va couper du bois, coupons du bois à la mode de chez nous. Hop. Avec la hache, c'est vraiment la hache en fer que j'ai récupéré, c'est vraiment plus simple. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug de lumière ou c'est qu'il fait tout en nuit. Peut-être il fait nuit assez longtemps, j'ai faim. C'est pas possible. Tout le temps faim dans le jeu. C'est vraiment un mec qui a tout le temps en train de manger. Tout le temps. Il s'arrête pas. Il peut tout le temps dire j'ai faim, donnez-moi à manger, j'ai faim. Non mais oh, c'est bon. Allez mon petit. Voilà. Donc c'est pas possible des fois de jouer avec un mec qui a une faim constante. C'est horrible. Allez, bouffe ça, et puis on n'en parle plus. Ok, laisse-moi crafter du bois, là. J'ai dû couper du bois. À la mode de chez moi. Voilà. Hop là, merci pour le bois. J'espère que j'aurai assez de place, parce que... Ouais, on se parle. Je vais couper ce marron quand même. Hop. Toi, non. Oui, il est magnifique. Le bois est aussi court, non. Je me dis bien qu'il est aussi court. Franchement, je vous dis tout de suite, quand vous avez une hache en métal... C'est franchement le pire. Du moment que je tombe pas, je me casse pas la tête sur le rondin, ça va. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, elle casse en deux coups le bois. Donc ça, c'est parfait. C'est pas mal. Mon inventaire est plein. Donc ça, c'est moins parfait. C'est même pas du very parfait. Hop là. En plus, il bug, puisque je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il bug. Jeu. Ah mais non, en fait là je suis combat. C'est bête. Hop, tu t'en vas. Ah là il bug plus. Là il construit directement en live, c'est bien. Donc hop, là je vais faire le toit, tac tac. Donc ça c'est parfait. Hop. Donc là je peux encore recueillir. Voilà, c'est parfait. En espérant qu'il n'y ait pas un bandit qui essaie de me tuer. Mon inventaire est plein. Ok, bon là cette fois-ci je vais laisser tomber. Je sais pas si c'était toi, mais... Donc hop, je cours à la maison, cours à la maison. Là, ça... Allez. Vous allez voir le bruit qu'il fait. On dirait un bruit de chat. Ou un bruit de chien, je sais pas. Mais il fait un bruit un peu spécial, la biche. Franchement, la biche, fait un bruit bizarre. Bref, c'est pas toute la question que je me pose, mais ouais. Je n'ai pas compris le bruit que ça fait. Pourquoi ce bruit? Pourquoi? Dites-moi pourquoi ce bruit est un bruit de lit. Puisque ça n'a rien à voir. Allez, toi tu viens là, toi tu viens là. Non, tu veux pas, d'accord. Chacun sa case. Ok, d'accord. Eh ben, non, tiens, il y a un bois là, on va te mettre. Non, non, c'est pas du bois, c'est pas. Hop, toi tu vas là, on échange. Hop, voilà, comme ça, ça me fait deux. Comme ça, hop, c'est parti. On va. Faire en sorte de monter en haut, ici haut, comme on dit, Santiano. Donc hop, je monte plus haut.
en espérant ne pas avoir du mal à monter après, non ça va. Par contre, il faudrait que je fasse une suite après. Non. Comment vous dire que ouais, c'est un peu à la Minecraft, on va dire. Ah, mais j'en ai plus. J'ai plus de petits coffres. Donc voilà. Comment vous faire des marches? Eh bien, tout simplement avec des coffres. Je pense que je vous l'ai déjà dit, cette réplique. Donc voilà. J'espère qu'elle vous plaira, cette petite réplique et puis cette technique. Vous voyez, il fait jour ici. Et puis quand vous regardez le ciel, il fait nuit. Un peu bizarre. Hop, je fais juste ça. Franchement, c'est vraiment marrant. C'est bizarre. Puisque si on en casse un, tout tombe. Mais si on n'en casse pas, il tombe pas là. C'est bizarre. Hein, pour un jeu qui dit respecter. Comment dire. Les poids. C'est marrant. On dirait pas. Puisque là, en fait, c'est tout à fait le contraire. Donc voilà, bon, là je suis en train de faire mon toit, tranquillou. Donc j'ai largement de quoi faire de mon bois partout. J'espère que je peux toucher tous les bois, tous les arbres, tout le toit. Comme ça m'évitera de faire 10 000 manœuvres. On va faire des. Oh, il a encore faim le mec. Là. Oh là là, il a 2 sur 100. C'est horrible. Il faut vraiment que je trouve de quoi faire de la nourriture, de faire des fermes. Puisque les fermes, on peut les faire, bien sûr. Faut-il trouver la technique pour la faire et puis la recherche pour. Donc, dès que je trouve cette recherche, je la prends tout de suite. Ouais, tout simplement. Allez. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce qui vous plairait. Et puis, n'hésitez pas, hein, on est là pour jouer, on est là pour se faire plaisir. Donc voilà. Après, pour l'instant, je suis tout seul contre des barbaries qui m'attaquent et oula, je suis tombé, je me suis fait mal et j'ai faim. Super, c'est le con. Pour l'instant, je me fais pas attaquer, donc c'est pas super. Oui, il fait jour. Ah, le soleil arrive de là-bas, d'accord. Ok. J'arrête de parler et t'as faim. Ok, j'ai compris. Musique de Jean-Pierre. Comment vous dire que je cherche de nourriture désespérément et je n'ai pas l'impression d'en trouver. Je vais être triste, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir de faim, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Super, mais pour combien de temps? Il m'en faudrait 100 pour me rassasier totalement, comme ça je suis tranquille, mais. Pour l'instant, c'est pas ma mission principale en fait, c'est ça le truc. C'est pas ma mission du tout principale. Rechercher de la bouffe, non. Non. Comment vous dire que non? Moi, ce que je veux, c'est jouer. À faire ma maison. Ma petite maison dans la prairie. Ça fait un peu. Ah, mais oui, j'avais oublié ce. J'avais oublié que j'avais mis ça, mince. Faut que j'en mette. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait pour. Oui, une deuxième technique que j'ai faite pour faire le toit en fait. C'est que j'ai fait ça. J'ai mis un niveau. J'ai mis le 6, le sol, en haut, puisque je pouvais sélectionner que les côtés. Et donc, j'ai fait ça exprès pour ça, en fait. Mais maintenant, il faudrait que je l'enlève, donc il faudrait que je fasse la même chose que ça, mais de l'autre côté. C'est un peu chiant. J'aurais dû le faire quand j'étais en haut, en fait. Parce que j'ai réussi à aller sur le toit. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un vide. Bon, ça va s'enlever. Ça va se remettre tout seul, évidemment, comme d'habitude. Comme j'ai fait pour, en fait, tout. Vous allez voir que normalement, tout devrait se remettre en tranquillement. Normalement, oui. Normalement, ici, le trou va être vidé. Normalement, hein, je ne fais que supposer, puisque c'est la première fois que je construis un toit comme ça. Donc, c'est la première fois que je construis un toit. Donc, c'est mon premier toit. Donc, voilà. Non, t'es trop bas, mon petit. Remonte. Remonte, mon petit. Il faut construire. Donc, voilà. Pour l'instant, on construit le toit. Hein. C'est un peu ennuyant, mais c'est une partie obligatoire pour faire un point de maison. J'aurais pu laisser le toit apparent. Hein. Il pleut pas. Non, il n'y a pas de. Il pleut pas, il n'y a pas de fin du monde, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, bon, pour l'instant, le toit, il est pas fin, totalement. Je vais essayer de le déconstruire totalement et reconstruire.
On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne parce que j'ai l'impression que c'est bugué un peu. Alors, c'est bien. Ok. Je vais refaire le toit. Parce que je suis obligé, je pense. Je suis obligé de le défaire complètement. Il a encore faim. Ah, quand je vois cette nourriture qui descend à 1, c'est bien. Hop, voilà, vous voyez, hop, j'ai enlevé le toit, il s'est remis en mode normal. Donc il faut en fait, quand vous avez un bug comme ça, non, un toit correct, s'il te plaît. Quand vous avez un bug comme ça, n'hésitez pas à défaire. À défaire un élément en fait, de votre toit ou de votre mur, et de le reconstruire. Et vous verrez que la partie se remettra en mode totalement bien. Maintenant, c'est la fin qui l'appelle. Hop, désolé, je coupe la discussion en même temps. C'est un peu embêtant. C'est pas grave, je ferai de la culture bientôt. Hop. Donc là, j'ai fini mon toit, parfait. Il est proprement fait. Pour tous ceux qui ont essayé de faire un toit. Pour tous ceux qui essaieraient de faire un toit, ben, n'hésitez pas à me demander. Hein. Moi, je sais pas le toit, je suis un charpentier maintenant. Donc voilà. Un beau petit toit buggé, toi aussi. Je suis à se débugger tout seul. Voilà. Je comprends pas pourquoi il s'est buggé, mais c'est pas grave. Comment dire qu'on ne sait pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourtant, quand j'ai fait. Ah non, je sais pas. Bref, c'est pas grave, hein, ça me dérange pas plus que ça. Normalement, si j'en. Ouais, ça me dérange un peu quand même, hein. C'est chiant. Bon, c'est pas grave. Je vais défaire ça. Je vais en défaire un, vous allez voir, tout va tomber. Voilà. Tout est collé, mais tout est tombé. C'est un peu stupide, mais c'est pas grave. Hop. En fait, tout ce qui est collé reste collé. Et là, ça tombe pas. Puisque c'est déséquilibré. Hop. Aïe. Mon inventaire est plein, super, super. Je sais pas ce que je vais faire. Ah, peut-être que je vais mettre un mur, un élément ici quelque part pour pouvoir le faire. Je vais faire ça comme ça, ça va être plus simple. Il commence à faire jour, mais comment vous dire que c'est long avant qu'il fasse jour. C'est long, c'est très long. Le temps est très très long. Alors je vais mettre comme. Non, je vais pas mettre comme ça, mais je vais mettre comme ça. Juste histoire de monter sur le toit. Hop. Comme ça, je monte sur le toit. Hop, je trouve une solution. C'est vraiment une solution basique. Hop, et hop, je fais un pont. Parfait. Donc là, je suis sur mon toit. Hop, je vais enlever ça. Hop là. Ah bah, ça a débugué tout. Parfait. Parfait, voilà, je suis sur mon toit. Première mondiale, je suis sur un toit. Non, je déconne. Pas mal de maisons, moi je trouve qu'elle est pas mal. Mais... pour une première maison, c'est plutôt pas mal. Allez, hop. Non, je vais pas faire ça. Je vais tomber avec, mais c'est pas grave. Allez. Non, non, ça marche pas. Parce que je suis dessus, ça marche pas. Allez. Oh là, c'est relou, ça va pas faire ça. Allez. Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Tous les mecs? Il n'y a rien de moi ça. Regardez-moi ce bug. Ah, parce que j'ai dû taper tout. Je sais pas. Allez! Il est bugué, ça y est, c'est ça. Bon. C'est pas grave, je vais faire les autres. Je casserai de ma main, je crois normalement si je laisse comme ça, je peux récupérer les éléments. Voilà. Encore une biche. Là. Je suis en train de récupérer les éléments, comme vous voyez en bas à gauche. Vous voyez que je suis en train de récupérer des éléments. Et en fait, je suis en train de déconstruire le coffre en bois, tout simplement. Donc voilà. Voilà, n'hésite pas.
D'accord. Comment te dire que oui, ça va être plein, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ok. C'est pas grave. Je vais en profiter. Donc, mon toit, normalement, à l'intérieur, il est fini. Voilà, magnifique. Bon, j'aurais pu faire une bâtisse un peu plus basique, mais bon. Normalement, mon toit. Tout est par terre. Ok, c'est pas grave. Après, je ferai une porte. Regarde, vraiment, c'est pire. Un bruit, toi, ma grande. Il y a un bruit spécial. Bon, comme j'ai dit, je vais continuer à faire ma palissade. Tac, palissade diagonale. Non, palissade stick. Ah, je peux faire une palissade différente. D'accord. Hop. C'est quoi cette palissade différente? Ok. Comment te dire que je ne comprends pas? Je vais investir ça. Oui, je sais que c'est plein. Je sais. Ne t'inquiète pas, je sais. Hop, donc, ah ça c'est une palissade défensive, on dirait. Avec des piques et tout. Bon. On va pas se prendre la tête, on va faire ça autrement, on va faire ça de l'autre côté. Je pense que vous devez vous poser la question, qu'est-ce que c'est que c'est... comment dire. C'est, ouais ça c'est autre chose. Ouais, je peux faire des, d'accord, des palissades avec des piques et sans piques, d'accord. Bah je vais les faire sans piques, tout simplement, hein. Là c'est des palissades normales, là c'est des palissades piques. D'accord. Ouais, je fais une palissade normale, pas besoin de faire une palissade en pique. Donc ça sert à quoi à part faire des piques, ouais. J'ai pas peur, j'ai encore faim. C'est pas possible, j'ai encore faim, il est pas possible lui. Oh. Bouffe des plantes, je sais pas, bouffe quoi là. Tu peux pas bouffer autre chose. Y'a pas des trucs que tu peux bouffer, mec. Non. Ah, c'est relou ça. Tout le temps faim. Tout le temps fin, c'est rafin. Bref, on va faire la palissade, hein, tranquillou, pendant que le soleil se lève dans la vallée. Soleil. Je la fais comme ça, puisque, comme vous voyez, il y a une certaine partie qui se. Donc, il y a une certaine partie qui reste dessus pour qu'on sache où la casser. Il y a une autre partie qui reste pas. Donc là, je vais mettre la barricade comme ça. Je vais essayer de la faire la plus proprement possible, puisque je ne suis pas doué. Donc les logs, j'ai plus de logs. C'est ça les logs, hein. Non, c'est pas ces logs. Ok, il me faut du bois normal, d'accord. Ok, ok, ok. Et là, si je le construis... D'accord. Non, en fait, c'était... Non. Je suis pas obligé, en fait. Non, je peux continuer. C'est moi qui me prends la tête tout seul. C'est parce qu'il y a un vide pour ça, parce qu'après ça fait comme si en fait j'étais dans au dessus du sol en fait. Hop, en espérant que je l'ai bien fait, parce que j'arrive pas à savoir si je suis bien dans mon truc ou pas. On va voir. Mais c'est un peu spécial, un peu bizarre. Et hop là, j'essaie de m'appliquer au mieux, puisque même si je suis pas doué, il faut quand même s'expliquer. S'expliquer, comme je dirais tant. Comme dirait-on, faut s'expliquer, hein. Laisse en béton, j'ai dit une connerie, ça arrive. Massage, d'accord. Ah, intéressant, d'accord. Intéressant, d'accord. Parfait, parfait. En fait, tu peux faire un log en bas, un log en bas, un log en bois. Ah, un log en bas, un log en haut, comme ça, ça fait un log. Non, je déconne. Comment vous dire que c'est la bêtise du soir, bonsoir. Donc là, je suis en train de faire la palissade comme il se doit. Ça va me consommer énormément de logs. Vous inquiétez pas, tout ça, ça va être. C'est pas moi qui décide, en plus, c'est lui. Hein. Je me dis que. Je me dis qu'il a sa raison s'il fait ça. Là. Donc on va commencer à construire tout ça, puisque là on commence à avoir une barricade complète presque. Commence à faire soleil, magnifique. J'aime quand il fait beau comme ça, magnifique. Ça c'est pas des logs, ça c'est du bois. Donc on va les couper, on va couper.
En espérant qu'il n'y ait pas de bandits dans le parage, parce que ça commence à me... Hein. Bon, les bandits, là, aujourd'hui, là, pour l'instant, ils ne m'ont pas attaqué. J'en suis fier et content. Ne m'attaquez plus, ça me fera une belle jambe. Je pourrai travailler tranquillement à ma maison. Log de bois. Et on revient ici, petit log de bois. Hop. Des fois, les logs de bois, ils sont un peu chiants ici, de s'échapper. Hop là. Je ne veux pas que tu tombes sur ma tronche. Merci. On est en train de couper du bois. Coupons du bois. Coupons du bois. Reviens ici, log de bois. Voilà. Hop. Log de bois. Il est grand, cet arbre. C'est parfait, ça. Ah, mais non, j'étais pas. Subliminal. Donc là, j'ai commencé à faire ma barricade de ce côté. Donc voilà, je vais commencer, hein, tout simplement. Et je pense que je finirai de l'autre côté, en fait, tout simplement. En espérant être tranquille pendant un petit moment. Et que, bah... ils vont pas me casser toutes mes palissades, quoi. Bon, après, c'est pas difficile à construire, donc ça va. C'est qu'un bois et une stick, donc ça va être compliqué. Hop, ça c'est fait. Hop. Donc voilà, on construit la palissade. Et après, le projet, c'est faire des mines, faire une mine. Et puis voilà. Et je préfère me protéger d'abord avant de faire ma mine. Puisqu'on sait jamais, j'ai pas envie de me faire attaquer, que je suis piégé dans ma mine. Voilà. Tu perds. Tu te fais attaquer en plein dans ta mine, c'est chiant. Je sais pas comment ça se passe dans ce jeu, donc j'espère prendre les devants, en fait, tout simplement. Donc voilà. J'ai pas de château ni quoi que ce soit pour l'instant. On commence tout petit et puis on agrandit. Donc voilà, je commence juste avec ma maison pour faire mes recherches, mes inventaires. Et puis après, bah, on va agrandir tout ça petit à petit avec les murs, les palissades et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je continue avec mon palissade. Donc, à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à commenter et liker, comme d'habitude. Hein. Dire ce que vous en pensez de mes vidéos, du contenu et qu'est-ce que je peux améliorer. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. Et puis, je pense que je vais faire une longue série sur ce jeu. Puisque ce jeu mérite d'avoir une longue série, puisque c'est des jeux qui me passionnent beaucoup et qui prennent beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Et voilà, allez, tchuss !